بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, nous présentons nos excuses pour cette quelques minutes de retard là, mais sans plus tarder, nous venons avec nos sujets. Quand nous pédions nos sujets, chers frères et sœurs, nous prenons un petit peu l'eau ça qui nous prend semaine passée pour nous ajuster avec cette semaine-là, Inch'Allah, concernant nos leçons. Quand nous pédions une récapitulation, l'eau ça qui nous prend semaine passée, Alhamdulillah, il est en trois volets. Un, nous disons qui concernant le sujet, nous pouvons en première partie une vraie croyance. Comment est-ce qu'il nous pouvons croire dans sa croyance quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous, bil qadri. Deuxième, c'est nous pouvons être une question et ban doute. Une question qui soulevait dans la tête ban dimoun. Ou bien ban doute qui arrivait concernant ce sujet-là. Et troisième, nous pouvons être ban erreur et ban mal compréhension. Ban erreur et ban mal compréhension, l'eau qui nous peut référer, l'eau ban fausse croyance, ou bien l'eau ban causé qui nous fanait de la société, sans qu'il finit n'a aucune preuve l'eau là, qui dit moun fin accepte li, et je fin amène croyance l'eau là, et je fin vive l'eau là. Ça qui nous dit ensemble semaine passée, Alhamdulillah, c'est concernant question qui vini, ben insisé comme ça, pas touché. Alhamdulillah, la semaine passée, nous finissons guetter à la lumière de ban ayat Quran, ban hadith, question de ban sahaba, ban compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je finis pose question concernant ce sujet-là. Et aussi, en dernier, nous tiguet hadith Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire que les causes concernant mon ban compagnon reste tranquille. Pareil comme ça même, les fins dire que les causes concernant destin reste tranquille. Pourtant, c'est un hadith authentique qui finit vers nous, mais Alhamdulillah, nous finissons explication aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ça, sa haditha. Dans quel sens le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui ban, dans quelle direction le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire pas tout ça sujet-là, pas cause concernant ça, pas cause concernant ça sujet-là. Ça, c'est un rappel, chers frères et sœurs, l'eau, ça qui nous dit prend. Semaine passée, nous t'y arrêtons l'eau là. Nous prenons l'eau, nous t'y arrêtons l'eau quoi? C'est qui le sujet dans lui-même? En arabe, c'est comme ça qu'on appelle l'eau. Al-Qadha ou Al-Qadr. Qui fait le dépoumance ensemble, l'eau sa signification. Qu'il y soit dans le langage arabe, le dépoumance ensemble concernant les croyances qui une personne a mené là-dedans. Chers frères et sœurs, quand nous t'y Al-Qadr, il veut dire Al-Mablar Shay. Veut dire quantité de une petite chose. Alhamdulillah, quand nous guettons Laylatul Qadr, qui fait l'ifingain sa nom là, parce qu'il y a une seule la nuit, mais seulement quantité, récompense qui un dimoun gagné dans une seule la nuit, c'est une de bonnes raisons qui fait l'ifingain sa nom là. Mais seulement quand nous guettons côté din, Al-Qadr veut dire Taqdirullahu lil ka'inati, hasbima sabaka bihi ilmi, wa qtadar bihi hikmati. Quand nous peut dire Al-Qadr, c'est quoi? C'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala fin oulé tout bonne créature arrivée par sa connaissance et par sa sagesse. Ça, c'est ça qui, semaine passée, Alhamdulillah, nous fin guetli ensemble.
Ensuite, chers frères et sœurs, le mot qadwa. Le mot qadwa, il veut dire al-khalq, la création. La création veut dire ban quelque chose, tout sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ban quelque chose là, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Fussilat concernant ban l'échelle, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Faqadahunna veut dire li fin fait, li fin créer cette l'échelle dans des jours. Ce qui est avec nous, c'est quoi? C'est que le mot qadwa fin être servi, Allah subhanahu wa ta'ala fin amené par le. Paul peut faire nous comprendre qu'il est fini faire la création. Salut, ça qui nous t'a arrêté semaine passée, nous continuons ça qui pour avec nous pour aujourd'hui, chers frères et sœurs. Comment nous dire qui concernant une vraie croyance, ban point qui est avec nous, c'est qui prêve, qui nous besoin de connaître ce sujet-là. Est-ce qui vraiment nous besoin de connaître? En général, dans Dine, tout quelque chose nous apprenons par ban source, ban base. Quand nous peut dire ban source c'est quoi, veut dire quand on gagne ça l'information là concernant pour sa dîne là, pour sa action là. Quand on gagne ça. Quand nous dit une action d'ordine, une parole d'ordine chef professeur, quand nous dit dimuna ben quand on gagne ça. Pas dans livre, pas avec un tel nom. En d'autres mots nous peut dire lui sa dîne là, il y a une source. Pas depuis n'importe qui ça n'a ben quand ça te fin gagne ça. Soit depuis Coran, soit depuis hadith. Ça de là c'est de mine. Deux mines, de plus important de tous. Si Allah subhanahu wa ta'ala finit à nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit à nous, finit mettre l'en face, ou Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit expliquer. En troisième lieu, nous avons ce qu'il nous appelle Ijma, consensus. Ijma, c'est quoi? C'est que tout le monde sahaba finit d'accord avec sa action. Un exemple, chef précis, c'est le Coran qui nous trouve avec nous aujourd'hui. Là. Dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous peut attendre qu'un sahaba rentre dans Masjid al-Nabawi, lit-il un Coran comme il y a ses liens? Ne trouve pas réponse non. Qui fait? Parce que ce Coran n'a pas fini d'être compilé, excepté après que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam quitte dunya. La question qui vient, mais qui fait ben, n'a fini faire ça? La réponse, c'est que tout ban sahaba fini d'accord, oui, nous pouvons bien compiler ce Coran. Comme nous pouvons dire, tout le monde sahaba finit d'accord. Dans nous dîmes, comment on appelle ça? Ou bien, accord ban sahaba. Ça, vous pouvez expliquer moi, li. Mais dans nous dîmes, comment on appelle les chers frères et sœurs? C'est ça même qu'on appelle Ijma. Djamara veut dire zouen. Ijma veut dire je tout fin zouen. Je tout fin d'accord, là, qui sa action là, li permissible. Ou donc, quand nous pouvons get preuve du destin, quand nous pouvons dire preuve du destin, c'est quoi? C'est qui nous gagne droit à prendre. Nous gagnons droit contre cette chose-là. Ce n'est pas une petite chose qui vous besoin de garder pour certaines personnes. Ou bien vous n'avez pas amené l'eau à la table. Non. C'est que quand nous gagnons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans surah 33, surah Al-Ahzab, ayat numéro 38, quand il fait cause concernant le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ma kana ala nabi yimin haraj fi ma faradallahu la » Pena aucun haraj, pena aucun problème. L'eau, sa prophète là, veut dire le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait obligatoire l'eau. Ensuite, de dire sunnat Allah. Fais bien attention à ce terme. À partir de là, nous vous trouvons qu'il y a une aïe qui cause l'eau, destin, définitivement avant pour une aïe quelque chose qui peut aider nous. Alhamdulillah, pour nous plus comprendre le sujet. Sunnat Allah. Sunnat qui veut dire. Sunna, chers frères et sœurs, nous dit après Echen a dérakat Sunna. Livré, mais seulement Sunna, quand nous prenons ses principes. Et un principe et une façon de faire. La cause nous dit Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Qui fait parce que ce prophète là, son principe, tu peux faire dans ça? Dans sa façon là. Sunna Allah, Allah a un principe, chers frères. Allah subhanahu wa ta'ala a un principe, chers sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala a son principe. Ce qu'il n'y a pas fait, quand arrive, disons, une fête, quand je tout une zone contre la rivière Gans, il ne fait la rivière là, monter, ramasse tout, tu y jettes. Ce n'est pas le principe là, ça. Ce principe, c'est qui te continue à vivre, toi. Arriver, tu es malade, ou bien quoi, tu es mort, là, tu viens rendre compte. Mais seulement, pas la cause, tu peux le faire, tu peux déjà, il ne fait mandila, craser l'eau, toi. Ce n'est pas le principe là, ça. Allah subhanahu wa ta'ala, un principe de la vie. Pas la cause. Mon papa imam, mon papa moisine, veut dire mon papa apprendre. Non, Inch'Allah, Allah fait facile. Pas principal là, ça.
Pas la cause, ce papa, un pandit, les enfants-là, puis apprendre depuis janvier, février, faire des efforts, la cause, ça, Allah fait les fils. Ça, pas principal, là, ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, de la vie, il y a un principe, chers frères et sœurs. À ce qu'on y peut dire, nous, comme ça, sunnat Allah, il l'a dit, il n'a pas la ou min qabl. Ça, tous les temps, il dit principe, Allah, subhanahu wa ta'ala, de l'urban qui finit vin, avant. Ensuite, il dit, wa kana amrullah, et l'aude Allah, amr, l'aude, qadaram maqadoura. C'est ban quelque chose qui finit décrété. Allah peut cause le destin avec nous. Côte ça, de Coran. Chers frères et sœurs, s'il peut cause le destin avec nous de Coran, comment se fait-il nous dire ça nous pas prend compte, mais combien ayat nous ne gagnerons pas prendre compte à l'os. Allah subhanahu wa ta'ala peut cause avec nous de Coran. Est-ce qu'il nous gagne droit à dire ça nous prend compte, ça nous pas prend compte, ça nous rentre, ça nous. Est-ce qu'il nous gagne droit à faire ça ou bien au drôle officiel Mikaf? Rentre dans l'islam complètement. Veut dire, on prend tout ça qui est là, ça qui est là pour prendre. Pareil comme ça, même, chers frères et sœurs, comme au guet, ça qui Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans Surah Qamar, ayat 49, il dit Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Inna, certainement nous. Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant lui-même. Kulla shay, kul. Kul, c'est un mot arabe qui, quand nous prend lit dans le grammaire arabe, il dit Ta'ummu bihi al-jami'. Il englobe tout là-dedans. Tout. Inna kulla shay'in. Allah subhanahu wa ta'ala dit certainement tout quelque chose. Khalaqnahu. Nous finissons créli. Comment tu finis créli, oh Allah? Bi qadar. Avec une destination. Veut dire, il finit prédire ça. Veut dire, il y a un laps de temps. Il y a pas pour tous les temps ça. Dans sa ayat, je suis apprécié. Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant la création. Apporte Allah. Tout ça qui restait, qui était. Toute créature. Le fait qu'il y ait une créature, il y a un laps de temps, oui non? Il y a un laps de temps. Prends-le depuis Jibril alayhi salam. Vins qu'à dernière créature qui Allah il crée. Il rentre dans sa ayat là, oui non? Il rentre dans sa ayat là. Allah subhanahu wa ta'ala peut cause avec nous concernant un sujet pareil, oui non? Quand il peut dire à nous, tout quelque chose, il finit créé. Oh Allah, apporte-toi toute créature. Le fait qu'il apporte Allah toute créature, être sûr, chers frères et sœurs, tout quelque chose finit créé avec Qadar. Tout quelque chose, Allah, même sa vie qui donne la case, sa lâchette là, sa la case là, prend tout qu'appelle créature. Tout finit créé avec un Qadar, un destin, un laps de temps, oui non. Excepté que tout finit créé avec un laps de temps. Nous continuons, chers frères et sœurs, quand nous guettons dans Surah 25, Surah Fulqan, deuxième ayat, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on peut faire nous concernant sur bonne qualité, Alladhi lahu mulku samawati wal ard, wa lam yattaqid walada. C'est lui qui. Moulk, lui-même possède tout bande d'échelle la terre. Et il n'y a pas fini de prendre aucun enfant. Walam yakul lahu sharikum fil moulk. Il n'y a aucun associé dans son royaume. Wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira. Et il crée tout quelque chose. Et en même temps qu'il crée tout quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait, il finit mettre un qadar avec lui. Veut dire, il finit mettre un laps de temps avec lui. En même temps qu'il Rabbul Alamin finit faire la création, en même temps qu'il fait chef frère, il met une bande prédestinée pour lui. Mais tu vas pas tout le temps, toi, non. Il y a un laps de temps. Toi, l'eau 1 an, toi, l'eau 6 mois, toi, l'eau 60 ans, l'eau créature, les ciels. Toi, depuis la création jusqu'à jour Kiyama, tout ça qu'il crée, il crée avec un laps de temps précis et lit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chef frère, ça est comme ça, il y a beaucoup d'ayats dans le Coran, mais nous n'amènons 10 3. Ça trois ayats là pour nous le comprendre, alhamdoulilah, ou Allah dans ton Coran, ton cause concernant destin. Tu peux faire nous comprendre que oui, tout quelque chose te finit créé avec un destiné. Nous continuons quand nous guettons, deuxième source qui nous est là dans nous dire, c'est ban hadith. C'est ban parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète une cause concernant ça quelque chose là? Est-ce qu'il fait une adresse avec ce ban compagnon? Alhamdulillah, si nous rappelle semaine passée, premier parmi ban qui nous t'a amené, c'est hadith Jibril alayhi salam. Quand Jibril alayhi salam tu viens vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand il finit dire à la fin fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum dinakum. Ça c'était Jibril alayhi salam. Il finit venir pour enseigner je din. Chers frères et sœurs, quand Jibril alayhi salam tu poses question, il finit pose question le iman. Et la réponse qu'il a gagné c'est quoi? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa al-yawmil akhir. Ensuite, il dit wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri. Et tu as une croyance dans le destin. Il finit remettre l'emphase là.
Lorsque sallallahu alayhi wa sallam cause la croyance de ban ange, de ban prophète, de ban livre, d'un jour qui aime, mais seulement quand il arrive le destin, cher frère, il remet l'emphase, l'eau-là. Nous continuons quand nous dit hadith Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Attention, cher frère, nous dit bien, ça aujourd'hui, avec l'autre semaine, ça qui pour avec nous, c'est nous l'école maternelle. Qui veut dire pour l'école maternelle? Aujourd'hui, moi, un grand comptable. Tout ça chiffre qui est devant moi là, moi j'ai oublié qu'il y a fait un indice pour apprendre de l'école maternelle. Chiffre code pour apprendre de l'école maternelle. J'ai dit quand c'est grand comptable, je viens chiffre pour apprendre de l'école maternelle. Là, apparemment, service, oui non. Apparemment, service. Aujourd'hui, je suis capable de mettre en lettres. Le littérature n'est pas venu jouer en moi. Il restait mon ABCD, c'est le même code pour apprendre de maternelle. Apparemment, service, car à cette là oui non. Ça, dès maintenant, je suis apprécié. Aujourd'hui, avec l'autre semaine, Inch'Allah, c'est une base. Pour nous comprendre ce qui vient après. C'est une base qui nous comprend ce qui vient après. Et Alhamdulillah, la semaine passée, nous explique quand nous pouvons dire une condition, pas une condition de classe, une condition pour nous cadrer nous-mêmes afin qu'ils nous comprennent ce sujet-là. Pour nous cadrer nous-mêmes, c'est nous pas poser question qui s'occupe de faire. Ensuite, nous essayons ce qui nous gagne, nous arrêtons la même et non pas nous commençons, servir nous l'esprit. Quand nous guettons ce hadith-là, chers frères et sœurs, un de ces hadiths qui nous peut servir comme preuve et non pas comme explication. Parce qu'il y a une explication après pour venir. Qui a dit cela? Rapporté par Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit toute chose fin être créée jusqu'à même faiblesse ou l'intelligence. Toute chose fin être créée, bi qadar, fin être décrétée ça. Toute chose. Jusqu'à même faiblesse ou bien l'intelligence. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire? Hatta al-ajz wal kays. Al-Hajj, faiblesse. C'est le contraire de courage, un dimon qui a fait quelque chose. Faiblesse, chers frères et sœurs, le Sou sallallahu alayhi wa sallam qui fait finalement lire dans ce hadith là, parce qu'au fait que nous guettons un dimon quand il gagne faiblesse, c'est capable de dire qu'il n'y a pas besoin de bien. Ou bien il n'y a pas de manger. Ou bien il n'y a pas de raison. Sa faiblesse là, quand il prend à l'intérieur sur l'écho, oui non. Il prend à l'intérieur sur l'écho, oui non. Ça, c'est une écrivain de l'âme de temps, ça. Allah subhanahu wa ta'ala fin met li pour un abs de temps. Pas li reste gain faiblesse, 10 ans li reste gain faiblesse, non. Donne 3 états, donne 2 états, tu repose, tu pourrais faire. L'intelligence. L'intelligence, quoi ça y était? A tête un djimoun. Et donc, c'est la cervelle un djimoun. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça aussi, il fin décrété. Et un djimoun, comme il y a qui tu connais. Tu connais bien même encore. Après, il te dit comment oublier ça. Et pourtant, moi, je vais montrer ça. Et pourtant, moi, tu connais ça. Mais tu oublies après, oui, non. Qui fait? Parce qu'il même lit en dans nous, il en donne nous l'écho. Nous quoi, nous restons gagnés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui fait? Il fait mettre ça juste pour une centaine de temps. Juste pour une centaine de temps. Ce hadith qui nous gagne dans le Sahih Muslim, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, à travers ça, dès l'exemple, jusqu'à qui point Allah subhanahu wa ta'ala, tout qui chose, chers frères et sœurs, il fait mettre pour une certaine temps ça. Pour un certain temps. Nous continuons, chers frères et sœurs, quand nous guettons. Ijma. Troisième preuve de nous dire. Premier, nous gagnons pour un. Deuxième, nous gagnons un hadith, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième, nous gagnons Ijma. Veut dire que tout le sahaba fin d'accord, l'on seule l'opinion, je fin dire oui. Abu Zakaria, Yahya ibn Sharaf ibn al-Madri al-Nawawi. Au fait, nous connaissons pas ça nous là, à la fin là. Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi. Chers frères et sœurs, si nous guettons au fait de vous la même que nous guettons 40 Nawawi. Ce n'est pas un titre libre ça. 40 Nawawi. Jean Bécu, vous pouvez dire là. Vous dites, oh, ce n'est pas un titre libre ça. 40 Nawawi, c'est nous un djimoun. C'est un djimoun qui compile le ban hadith, depuis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidhi, Nasai, Abu Daoud, Ibn Majah. C'est un djimoun qui compile le ban hadith, il finit 40 hadiths, il dit, si vous apprenez ça ou appliquez ça, comment dire, on complète sa dîne. Comment dire, on finit tout ban la loi dîne. Le livre, il y a ce nom, basant le auteur. Car l'imam al-Nawawi, parmi ce bon travail qu'il fait, chers frères et sœurs, c'est un livre, Les Jardins des Vertus. Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, c'est un nom qui nous entendait là. Au fait, c'est pareil. Il compile bon hadith, il fait mettre un livre qui finit en 3 volumes et il prend ce nom là. L'imam al-Nawawi, parmi les bonnes actions qu'il fait, chers frères et sœurs, Sahih Muslim. Livre Sahih Muslim. L'in explique Sahih Muslim, prend depuis le premier hadith, qu'à dernier hadith.
Il finit explique Sahih Muslim prend depuis premier hadith jusqu'à dernier hadith. Dans son explication, il dit cette bonne preuve claire depuis Coran et hadith et consensus ban sahaba le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qad tadhaharatil adilla al qat'iyat bonne preuve claire personne pas pouvoir réfuter min al kitab depuis Coran wa sunna depuis ban hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ijma'u sahaba et tout ban sahaba le qui tout ça la fin d'accord à la ithbat qadr Allah qui vraiment Allah fin décrète toute chose et dans le Coran et certainement en commencement alhamdoulillah quelques minutes de ça nous getli et dans le hadith parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous getli qu'il dit même ce qu'a faiblesse l'intelligence Allah fin décrété pour un certain temps ensuite il fait nous connaît Imam an-Nawawi il dit que tout ban sahaba je tout fin fait ijma je tout d'accord peina en sahaba chef frère peina en personne qui fin gain titre sahaba qui fin accompagne le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit comme ça vous connaissez le qadar là ban majorité sahaba d'accord moi pas trop d'accord peina aucun sahaba qui dit ça tout sahaba d'accord qui oui ça qui n'a de Coran de hadith nous tout d'accord qui tout qui chose Allah subhanahu wa ta'ala fin amené pour un certain temps et fin décrète lui chef frère. À partir de là, nous disons bien, il n'y a pas de point, nous pas dire plier un peu autant qu'il les autres torchons, on va dire non. Il n'y a pas de point, quand au fait, nous avons besoin d'un petit peu de plus attention, pas de point sensible. En premier, étape ou bien pilier du destin. Comme nous te disons la semaine passée, ou imaginez-nous un dimoun peut cause de destin. Vous connaissez ce que c'est que ça, on va l'abdic. On va l'abdic, il fait comme ça là. Sauf qu'il était sous la main. Aïe, il veut que le destin allait. L'état opposé, question, mais au pécose destin, ou connaît destin et n'a pilier. Il a dit de figuier. Qui veut dire ce niveau-là? Il pécose une petite chose qu'il n'est pas même connu. Sur une colonne, c'est quoi? Alhamdoulilah, ça vient de passer quand nous étudions, c'est une de ban étape fondamentale qui, un dimoun, quand il apprend un sujet pareil, il pécose un sujet pareil. Comment tu es capable de causer l'islam, tu ne pas connaître l'islam qui est reposé? Qui te peut causer là? Comment tu es capable de cause l'iman, tu ne pas connaître l'iman qui repose? Comment tu es capable de cause le destin? Au fait, ce premier, c'est Al-Ilm. Il repose l'Al-Ilm. Deuxième, il repose l'Al-Kitab. Troisième, il repose l'Al-Mashi'a. Et quatrième, il repose l'Al-Khalq. Quatre colonnes. Chef, frère, sœur, N, D, 3, 4. Sa quatre colonnes qui nous trouvait là, nous ne pouvons pas dire où est l'écran, nous ne pouvons pas dire où écrire li. Si moi envie qu'on le sujet, mémorise-le avec molécule, pas avec la tête. Mémorise-le avec molécule, veut dire, mettre molécule là dans mon vie, qu'on sa quatre petites choses là, c'est quoi l'os? Une fois qu'il rentre dans molécule, on comprend sa quatre petites choses là, c'est quoi? Mais vous trouvez que le sujet vient facile. Qui quatre petites choses? N, al-ilm. Deuxième, Al-Kitab. Troisième, Al-Mashi'a. Et quatrième, c'est Al-Khalq. Vous dites, il y a en arabe. Oui. Quand nous lisons les chefs et sœurs, ils viennent comme suite. Al-Ilm. Al-Ilm, au fait, quand nous traduisons, c'est ça même qui ne traduit pas la connaissance. Quand nous pouvons dire la connaissance, à qui nous pouvons référer la connaissance d'Allah. Deuxième, Al-Kitab. Quand nous pouvons dire Al-Kitab, c'est l'écriture. Ça qui finit être écrit. Ou bien ça qui nous capable de traduire pour le script. Script, c'est ce qui finit être écrit. Troisième, chers frères et sœurs, quand nous peut dire concernant Al-Mashi'a, troisième pilier, c'est vouloir, ouler. Vouloir, ouler une petite chose. Et quatrième, Al-Khalq, c'est la création. Une fois qu'on comprend ça, quatre piliers là, chers frères et sœurs, c'est quatre piliers du destin. Ça, il besoin bien d'un molécule. Pour moi, l'esprit comprend lui et me soumettre à cette chose-là. La connaissance d'Allah. Deuxième, l'écriture. Troisième, c'est vouloir. Quatrième, c'est la création. La création, c'est facile pour Allah. Inch'Allah, nous prendons tous les quatre, un peu par un. Nous pouvons rentrer dans sa main de colonne pour nous connaître. Mais ce qui vont dire, c'est de faire base à colonne afin que l'état vienne solide. Quand nous pouvons dire la création,
chers frères et sœurs, apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça qui restait, c'est quoi? C'est une créature. Ça. Qu'il y soit Jibril, qu'il y soit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y soit environ 124 000 prophètes, qu'il y soit ben, quelque chose qui Allah fait faire, qui pas attache avec lui ou bien sur bonne qualité, qui paraît tout le sonneau ou bien sur bonne qualité. Concernant Rabbul Alamin, chers frères et sœurs, tout ça qui restait jusqu'à même Kaaba. Kaaba, c'est quoi? C'est une création. C'est une création. Bliez banen des akras Kaaba. Banaboukrasi. Une création, ça. Quand nous peut dire la création, dans la tête, il y a quoi là? Avant qu'il nous prenne l'approfondi, Inch'Allah, c'est quoi ce qui apporte à Allah tout ça qui restait? C'est créature. Vouloir ou les? Qui nous peut redire pour vouloir ou les? C'est ça même quand nous traduisons les divines Al-Mashi'a. Chers frères et sœurs, c'est un de ban mots qui nous habitait sa vie, c'est quoi? Inch'Allah. Al-Mashi'a. En d'autres mots, quand nous peut dire vouloir ou les une petite chose, qui s'en a sur ou les nous peut causer la mot ou les? Ou les? Qui s'en a sur ou les? Allah se oulé. Quand nous peut dire, faudrait Allah oulé. Si Allah oulé. Ça, c'est troisième. Deuxième, l'écriture. Script. L'écriture. Qui l'écriture peut causer là? Qui l'écriture nous peut causer? Chers frères et sœurs, nous nous attendons. Nous nous attendons ce qu'il nous appelle Lawhil Mahfouz. C'est ça qui nous peut causer là. Ici, là, là, c'est ça qui nous peut causer là. Nous attendons. Au fait, ça livre là, quitte ça. Quand il dit, qui n'a là-dedans comme ça? Qui décrit là-dedans? Qui décrit là-dedans? Ça. Faudrait un dimon ni qu'on sa man quelque chose là. Pour ensuite, il est capable de causer ce sujet. Tous les temps, il existe un lawhil mahfouz, lawhil mahfouz. Ensuite, il est venu là-haut. Ah, mais ça qui a là où il est ça même, non? Est-ce qu'il vraiment dit comme ça, ça? Est-ce qu'il vraiment dit comme ça? Ça qui a là, il écrit ça même là. Mais en premier, tu n'as pas même connu lawhil mahfouz, c'est quoi? Comment tu as dit ce qui a là, fait écrire? En premier, chers frères et sœurs, la base de tout, c'est ses connaissances. Quand nous peut dire al-ilm, connaissance, c'est pas mot connaissance ou connaissance, c'est pas bandimoun zot connaissance, c'est connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, il y a quatre piliers là bien devant nous. Nous dit bien, pasis écrit, nous pouvons être connus pour qui? Pour qui? Pas pour la tête, pour qui est dans les guerres. Nous pouvons être connus afin qui? Demain, quand vous causez un sujet comme ça avec moi, alhamdulillah. Vous pouvez connaître comment ça vous pouvez aller. Nous commençons, chers frères et sœurs. Premier pilier, c'est connaissance. Quand nous causons connaissance, qui s'en a sur connaissance nous peut causer? Connaissance Allah. Ça même que nous traduisons les ilmullah. Connaissance Allah. On lit bien ce dire. Nous peut causer qui s'en a sur connaissance? Connaissance Allah. Connaissance Allah, l'eau qui est venu. L'eau qui était. Connaissance Allah, quand ça y était. Chers frères et sœurs, ilmul madri. Nous bannons le passé. Pour nous qui là. Allah connaît oui non. Causons nous-mêmes là. Causons nous, fais-nous comprendre là. Parce qu'il passe ce bouse la tête, oui ou il a raison, pas raison qui nous fait besoin là. Nous besoin la conviction. Chers frères et sœurs, ça qu'en parmi nous là. Nous le passé dans la moindre détail, est-ce qu'Allah connaît? Est-ce qu'il m'a réussi à comprendre ça là? Zis pour moi ou bien tout dit moun. Azodi, si moi le 29 août 2014, prends depuis Adam alayhi salam fin descend l'eau la terre. Ziska azodi. Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout ça qui vient de passer dans le monde là oui non. Li connaît tout ça qui vient de passer dans la mer là oui non. Li connaît tout ça qui vient de passer entre la terre et l'échelle oui non. Cadrez-moi bien ce dire. Connais comme j'ai ma connaissance, Allah c'est quoi? Parce que moi, pour moi-même, j'ai oublié ma semaine passée. Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala connaît tout oui non. Chers frères et sœurs, ilmul hal. Hal veut dire asti à la présent. Ou dis-moi comme ça, oui, nous connaissons vendredi ou tu dans masjid. Ça pour moi. Ça pour où ou devant moi. Mais il y a une proche, nous, une proche famille. Capable nos enfants, capable mon monsieur, capable mon madame, capable mon petits-enfants. Nous ne quittons la case oui non. Nous ne quittons la case. Tant bien là. Nous ne quittons pas. Mais nous connaissons qui veut faire la case. Non, mon crioli, mon diali. Oui, ou quand un crioli. Ou connaissez qui veut faire la case. Pourtant, il peut passer même l'air en moi là, oui, non. Même l'air. Chef français, moi, dans la case là, il a au lit. Il est dans la sam. Quand quelqu'un dit, moi, quand il est, dès qu'il m'a dit, il est dans la sam. Mais est-ce qu'il me connaît qui veut faire?
Chers frères et sœurs, est-ce qu'il nous d'accord qu'il y a quelqu'un qui connaît que l'IBF seulement? Est-ce qu'il ne comprend qu'il appelle connaissance à Allah le présent? Mon frère, mon cousin, mon famille qui est à l'apprendre, peut travailler en l'été, au Canada, devant les autres pays. Là. Astiella. Si pour nous, on est moins 5, mettre l'ISPA l'Angleterre, encore 6h moins 5, dans l'autre place, si pas une finie, arrive 3h du matin, ça l'est là, la banque qui paie de homie, la banque qui a 7 pesos au travail, la banque qui. Allah connaît ça, Astiella, qu'est-ce que je peux faire là, oui non? Est-ce qu'il faut opérer ici cadrément concernant la connaissance à Allah? Chers frères et sœurs, nous pouvons causer cela au insan. Prends-le le banc des animaux, Astiella. Prends-le le banc des poissons. Quand nous pouvons causer en bas la mer, ça requin qui a Stella, puis aller se parler, puis aller manger poisson, etc., etc. Allah peut connaître qu'il peut faire Stella, oui, non. À partir de ça, nous qui disons, chacun, veut dire, il y a le marziné, qu'on peut dire, nous, Allah connaît qu'il peut passer l'eau sur la terre, là. Qui est-ce que Allah connaît, alors? Qu'on peut dire, moi, Allah connaît qu'il passe l'eau sur la terre, là. Qui est-ce que vraiment, sa robe, là, connaît qu'il peut passer? Et troisième, chers frères et sœurs, c'est Rilm al-Mustaqbal. Al-Mustaqbal veut dire le futur. Al-Mustaqbal veut dire le futur. Connaissance Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, quatrième là, nous gardons un petit guide après. Nous concentrons sur trois là, parce qu'il est venu pour nous-mêmes. Hein. Quand nous causons connaissance Allah, nous causons un de nos connaissances dans le passé. Est-ce que ça rend là comme tout ça qui vient de passer, oui ou non? Nous causons connaissance du présent. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala compte tout ça qui peut passer, c'était là, oui ou non? Nous donnons un seul exemple. Loin de là qui nous peut prendre, mais c'est moi qui dis cela. J'ai tout en face de moi là. Je ne pas même connaître qui n'a pas enfant besoin de Dieu. Dans ma zine. Je ne pas même connaître qui n'a pas enfant besoin pas de Dieu. Dans ma zine. Mais comment on peut faire face à eux? Quand Dieu était en nous, pas même 10 mètres en nous, qui peut passer derrière moi, les deux, moi ne connais pas. Mais moi, la cause, moi peux faire face à eux. Mais Allah connaît, puis arrive ça, oui non. Sa connaissance du présent, ça. Quelle distance, maintenant, était en moi, on ne pas même connaître. Mais Allah connaît, oui non. Ensuite, nous gagnons connaissance future. Connaissance future, chers frères et sœurs, ça fait là aucun doute. C'est pas une personne qui connaît ça, excepté Allah. Quand nous pouvons dire connaissance future, nous ne pouvons pas dire l'autre semaine, Inch'Allah, nous besoin après ça. Pas ça qui nous peut dire. Connaissez qui nous peut dire? Qui est exactement nous pour commencer? Qui ban action pour faire? Qui ou pour faire? Tout ça là. Dans la moindre détail. Allah connaît nos futurs, oui non. Allah connaît nos futurs. Et quatrième pli important, cher frère, c'est quoi? C'est ça qui pas fin prend place, pas fin arriver. Si tu y arrives, qu'est-ce que tu vas arriver au fait? Ça quatrième là, ça qu'on sait comprendre de nous façon. Pour nous comprendre qu'il appelle connaissance Allah. Parce que connaissance Allah, c'est pas nous connaissance, ça, cher frère. Imaginez-nous, prendre l'exemple à Zodi. Nous nous tordons 5 minutes, 10 minutes. Ça cause un problème. Vraiment, tu as un problème. Chers frères et sœurs, pas tirer si régler ce problème-là. Bon, tu pouvais dire aux autres, je te souris, je présente aux autres, je m'excuse, mais pas ne capable de régler le problème qui est arrivé, mais seulement nous faisons en sorte que l'autre semaine, ça pas arrivé, mon frère et sœur, Inch'Allah, l'autre semaine, nous refaire, nous laissons. Ça, quand tu peux bien lever, aller oui non. La question posée, qui tu peux le faire? Qui tu peux le faire? Et là, tu peux causer de ma zidla. Et là, tu peux sortir d'un petit guide de haut, tu peux causer avec ce bon frère. Et là, tu peux aller à la case. Bon, quand tu peux aller à la case. Mais seulement, nous ne pas connaître qui tu peux arriver. Chef frère, c'est prendre bien. Jusqu'à ça aussi, Allah connaît. Quelque chose qui n'est pas arrivé. Si tu y arrives, comment tu peux être? Comprends bien. Parce qu'à partir de là, si vous ne comprenez pas connaissance, Allah, c'est quoi? Bon, fini. Tout le monde est tombé, il est tombé. À travers connaissance Allah, quelque chose qui jamais il prend place. Quelque chose qui jamais il prend place. Est-ce que ça aussi il connaît ça Allah là? Qui a tes connaissances ça? Chers frères et sœurs, prends-les bien. Alhamdulillah, nous connaissons l'histoire Khid avec Moussa alayhi salam. Trois actions qui Khid fin faire. Moussa alayhi salam fin pose question. Mais la cerise du gâteau concernant cet événement-là, c'est Hadith qui trouve dans Sahih Muslim, quand je tire coup d'un bateau, quand cet oiseau-là posé, il est bec de la mer. Il bec de la mer, il tire. Khid, cet oiseau-là dit, oh Moussa, tu as un gâteau-là? Il dit, oui, qu'est-ce qu'il fait? Je vois qu'il fait. Il
une bec de la mer. Quand un oiseau bec de la mer, combien il y a une boire? Comment dire moi ça comme on nage, ça j'ai mon gros coulé, moi avant un gosé de l'eau, quand c'est là. Un oiseau, une bec de la mer, combien il prend? Chers frères et sœurs, rite de sa trois actions qu'il vient faire là. Si vous dites moi qui trois actions, ben, là nous vous retournez un petit peu trop beaucoup à l'oeil, ou à l'étude sur la 18, sur la kahaf. Rite avec Moussa alayhi salam, vos connaissances comparées avec ça qui est Allah. C'est sa goutte de l'eau qu'il prend. La mer qui reste là, c'est sa connaissance. Allah, chers frères. Vous connaissez comment dire la mer, c'est quoi là? C'est ça 71% qui couvrait ça, les mouna là. Ça, oiseau là, il prend quoi lui? Il prend juste une goutte comme ça. Dans une goutte comme ça, au rite de faire trois petites choses qui fait nous répondre aux questions. Mais ça, la mer qui restait là, qui a été connaissance à l'os. Chers frères, c'est ça qui nous veut dire connaissance Allah. Quand on peut dire moi connaissance Allah concernant le futur, c'est qui en premier? Si mon récit comprend, Allah connaît le futur. Allah connaît dans quelques minutes qui peut arriver là. Oui, chers frères. Et dans sa conviction là, non? Allah connaît dans quelques minutes qui parole pour sauter dans la bouche. Vous pouvez me préparer là. Ça, ce n'est pas une question qui me prépare ça. Ça, c'est l'ivini en cours. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala déjà connaît qui pour sauter, oui non? Déjà connaît, chers frères. Ce n'est pas une petite chose qui va dire, répéter ça pour faire un reste de réflexion, mais amène-nous à méditer. Une connaissance Allah c'est quoi ça quelque chose qui m'a fait faire ce qui m'a fait penser là Allah connaît chers frères s'il connaît mon futur ben mon présent il peut guetter moi oui non ben mon le passé il finit trouver oui non il est donc facile vous les connaître tout ça là oui non chers frères et sœurs ben sa robe là c'est lui même qui décide tout ben bonne question qui pas arrivé là même si tu es arrivé il vous connaît oui non ça car tes connaissances y'en a là. Donc ça connaît. Moi, la cause moins de papa, la cause moins de maman, me dire, ça te quitte ça tout seul la case là. Non, non, prends-le, toi, toi, allez. Amène-le, les sons, toi, guette-le, pas de voir ces ordres. Alors, hier, pas quitte-le la case. Mais tu n'as déjà quitté la case. Comment te connais? Comment te connais, toi? Comment est-ce qu'il te connaît, toi, parent, qui si tu quittes la case, tu arrives des zones? Comment te connais ça? De requitte-le, tu guette-le? Il me dit, oh non. Mais comment te connais ça? Il dit, oh, mon enfant, je me connais. Tous enfants te connaissent, ils sont capables de venir à 5 ans, 6 ans. Là-dedans, les temps nous get, en fait, quand ils commencent, on dirait faire action. Mais c'est lui qui nous crée toi là, qui a été pris comme toi, l'os. Qui a été pris comme toi, qui si tu es parti venir là, comme ça, tu peux aller. Chers frères et sœurs, concernant la connaissance, Allah, ça quatre petites choses là, reste bien dans la tête. Le passé, le présent, le futur, et quelque chose qui peut arriver, si tu es arrivé, au fait, qui action, tu poursuis. Quand nous guettons une prière concernant la connaissance Allah subhanahu wa ta'ala, en premier, chers frères, nous guettons sur l'al-hashr. Ayat 22, nous prenons ce commencement, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ou Allahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaib » Ça bout là qui est avec nous. « Ou Allah » C'est lui Allah. « Alladhi la ilaha illahu » Peine à aucun il a accepté lui. Ensuite, qu'il dit « Alimul ghaib » Alim. Un alim. Quand vous dites ça, un alim, ça. Un alim. Mais seulement dans qui? C'est dans une connaissance spécifique. Ici, peut dire moi, Allah, il y a un alim dans quoi? Dans le rêve. Dans le futur, il y a un alim là-dedans. Est-ce que vous comprenez, Allah, là, quelle connaissance il y a? Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a un alim dans le rêve. Dans le futur, dans sa prochaine minute qui peut venir, qui m'a pour dire là, qui action m'a pour faire, qui où pour faire, qui où pour penser, qui aux enfants peut faire, qui peut passer, tout ça là. Allah, tu finis comme tout ça là, oui non? Il déjà connaît tout ça là, chef. Allah subhanahu wa ta'ala déjà connaît tout ça là dans le futur. Dans Suratul Baqarah, concernant nous le passé et nous le futur, Ayatul Kursi, plus grand ayat qu'il y a dans le Coran. Qui fait plus grand ayat qu'il y a dans le Coran? Parce que c'est l'ayat du Coran qui prend le début jusqu'à la fin des causes concernant Allah. C'est l'ayat du Coran qui, depuis le début jusqu'à la fin des causes concernant Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il fait cause concernant nous là, nous insan. Ya'lamu et Allah kon ma bayna aydihim. Bayna aydihim veut dire ce pli devant, ce futur. Wama khalfahum et il connaît tout nous le passé. Allah fait cause à nous là. Dans Ayatul Kursi, il peut faire nous connaître
qui paye na endi moun qui fin passe l'eau salaté là qui l'eau salaté là qui pouvine l'eau salaté là excepté Allah console le passé et console le futur sans les fin rat la moindre seconde là-dedans. Qui a tes connaissances ça? Qui a tes connaissances ça? Endi moun de di moun trois di moun et nos parents peut oublier ses enfants sur date naissance. Aïe, on connaît. Mais dis-moi là, même seulement. Il va me connaître. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, pas un djimoun, pas une population, mais tout djimoun, ni qu'on le passé, ni qu'on le futur. Quelle est ta connaissance, Allah? Chers frères, est-ce qu'il m'opérait ici, cadrez-moi, quand on peut dire moi, connaissance, Allah, c'est quoi ça? C'est une petite chose, une lamia, oui, non? C'est une lamia, chers frères. Par autre con, la connaissance, là, c'est quoi? Mais con, sa robe là, qui finit de nous concernant ce, ce connaissance. Nous continuons, chers frères et sœurs, dans Surah Saba, ayat numéro 3, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire La yarzub anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Sa bout là, après il vient à nous, inshallah. Mais prends depuis ici. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire la yarzubu anhu mithqala dharra. Azb, c'est un mot qui nous dit, on dirait, une passe inaperçue. Azb, il veut dire un kitcho qui ne passe inaperçue. Personne ne va remarquer. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire la yarzubu anhu mithqala dharra. Dharra, nous essayons de traduire pour dire atome. Peine un grossier atome, qu'il y soit dans l'échelle ou bien dans la terre, l'eau la terre, atome là, atome, qu'il y soit de l'eau la terre ou bien l'échelle, ou bien plus petit que ça atome là, ou bien plus grand, qui ou peut penser, il passe inaperçu devant Allah. Peine à zamin arriver ça. Ça la poussière qui ou peut trouver, il envolé là. Faudrait rayon soleil, il batte pour moi. Pour moi, trouve lui. Ça la poussière qui pose le mot si c'est là. Faut dire mon passe là, mais pour moi, trouve lui. Mais seulement l'idée de la case, oui non. Mais seulement Allah connaît, oui non. Allah connaît, chef. Qui fait? Parce qu'il peine un atome. L'eau la terre l'échelle. Ou bien plus petit qui ça. Ou bien plus grand qui ça. Qui ne désapasse inaperçu devant Allah. Mais il connaît tout, oui non. Ça qui lui peut dire nous de sa ayette là. Essaye de méditer l'eau sa ayette là, chers frères et sœurs, pour moi elle connaît, mais qui quitte chose qui peut passer, qui finit arriver, qui Allah subhanahu wa ta'ala pas connaît. Chers frères et sœurs, nous continuons pour nous dire, parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a nous reste dans quatre connaissances Allah. Nous dit bien, nous puis amène sa hadith là, pour nous dire nous-mêmes concernant connaissance Allah. Nous sommes d'accord qu'Allah connaît nous le passé, oui non. Si quelqu'un n'est pas d'accord, moi arrête la même. C'est normal parce qu'il nous finit passer. Nous d'accord, Allah connaît nous présent, oui non. Chers frères et sœurs, la grande question au fait dit comme si. Est-ce qu'il nous d'accord qu'Allah connaît nous futur, oui non? Chers frères et sœurs, nous disons bien. Moi, je peux dire comme ça. Je peux mini. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je peux mettre les la main. Nous si Allah connaît nous futur. Qui futur nous peut dire là? Est-ce qu'en 2014? Ça l'année a terminé. Hein? Qui futur nous peut dire? Moi, nous, on peut poser une question là. Hein? Si quelqu'un connaît, il répond là. Hein? Après, il ferme la porte de question. Attention, on va dire éliminer le débat après. Essayez de causer les autres. Xan. Get nous futur, est-ce qu'à côté ça allait? Nous futur, nous prend lit. Nous demain? Ok, appelle nous futur, oui non. Nous la fin 10 mois? Comment il casse nous bien? On est en absence, on ne connaît pas besoin, on prend un compte, il est en retard là. Il peut couper, il ne peut pas couper. Encore de balance, calé là. Jusqu'à décembre, bonus là, vous gagnez, vous gagnez. Vous gagnez un ticket avant. Nous futurs de cela, oui non. Nous futurs, c'est. Penchon. Quand nous prenons 60, 65 ans. Nous futurs, ça, oui non. Parce qu'il m'a fait base là, pour moi, je dirais, mon problème, c'est moi le Hajj. Vous gagnez droit. Mon futur, ça, oui non. Qui est-ce qui connaît ça là? Allah, chers frères et sœurs, côté ça, pour moi. Prenez bien ce tir. Qui est-ce qui connaît ça là? Qu'est-ce que même là? Allah connaît quoi ça pour moi, oui non. Il connaît qui est qui moment pour moi, oui non. Il connaît quoi ça pour moi, oui non. Allah connaît ça, oui non.
qui cabale moi pour enterrer. Prends-y étape par étape. Au fait, quand nous guettons, nous disons en général, ouais, on est content pour enterrer. Quand on grandit, tout rester, on a un droit content. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous si elle est pour enterrer? Chers frères, c'est demain capable arrive nous un événement qui, au fait, nous quitte le pays, nous mourons. Mais qui peut faire rouler là? Qui peut faire? Chers frères, est-ce qu'il nous connaît et n'a dit moun et n'a famille capable de faire cabal? Pas fait non, ou n'a faire. Mais où si vous avez tout là-dedans? Où si vous avez? Mais que ça qui si est donc qui cabal nous pour enterrer? Chers frères, bejou kiyama, quand nous pour débout. Quand nous pouvons cause de ce hadith que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, jour qu'yama, quand nous pouvons lever, nous pouvons arriver au trône Allah, nous pouvons trouver Moussa alayhi salam là-bas. Quand le prophète peut dire ça, mais actuellement fini arriver ça? Actuellement pas encore arriver ça, oui non? Mais il y a Rasoul Allah, comment on dit ça? Ça prophète à cause pas? Oui. Mais qui est-ce qui nous fait l'icône quand il peut lever, il peut arriver là-bas, il trouve Moussa alayhi salam avant? Qui est-ce qui nous fait l'icône? C'est Allah. Veut dire Allah finit connaît qui peut arriver jour qiyama, oui non? Reste bien là. Reste bien là. Ensuite, get ce hadith là. Ma minkum min nafsin illa waqad hulima. Attention là. Faites bien attention au serviable là. Manziluha min janna ou wannar. Au fait, Allah ou muslim là, vino en bas ça. Ça c'est référence hadith là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun nafs, excepté qu'il se place dans Jannah et l'enfer finit être connu. Nous allons prendre l'explication hadith à celle-là. Mais seulement, quand on peut dire nous, Allah connaît nous, futur. Prends depuis celui qui peut causer jusqu'à celui qui peut écouter. Si Allah connaît nous, futur, prends-y bien où. Est-ce qu'Allah, il est difficile pour lui connaître, est-ce qu'il Dieu met nous pour habiter en Jannah ou bien l'enfer? Allah finit connaître, oui non. Parce qu'Allah connaît nous, futur, oui non. Donc, est-ce qu'il est difficile pour comprendre ce hadith-là? Est-ce qu'il est difficile pour nous comprendre un hadith comme ça quand une personne finit convaincue qu'Allah connaît son futur? Chers frères, c'est une cause concernant Rolima. La question, je fais bien attention avec sa verbe. Verbe-là, N veut dire connaît. Connaissance, N quelque chose, les N. Ensuite, les fin par Rolima veut dire connu. Pas tout le monde qui connaît, pas tout qui connaît. Il dit fin être connu. Veut dire une seul qui connaissait qui ça n'a. Saisisse Allah. Saisisse Allah. Donc, ce hadith-là, comment nous prendre, chers frères et sœurs? Le fait qu'ils m'ont convaincu que le premier pilier du destin, c'est connaissance Allah. Ensuite, de connaissance Allah, m'obéissait et dans la conviction qu'Allah connaît mon futur, oui non. Pour me rendre de Jannah ou bien me rendre de l'enfer, c'est mon futur, ça, oui non. Mais si ça, mon futur, Allah connaît demain quand mon poète de Jannah ou bien de l'enfer, oui non. Mais ça qui me dérange si nous ne connaissons pas ce hadith là. Est-ce que moi, demain, je vais parler de Fajr? Est-ce qu'il dit à moi ça là? Quand Allah il connaît, demain, je vais parler de Jannat ou bien de l'enfer. Veut dire moi arrêter de faire toute action là? Est-ce qu'il cause l'action ou bien il cause de connaissance Allah? Ce hadith là, c'est une preuve de quoi? De Jannat, l'enfer ou bien de connaissance Allah? Mais cause concernant connaissance Allah, j'ai appris. Donc, ce hadith-là peut faire nous connaître, peut donner nous la conviction, la confirmation qu'Allah connaît nous, futur, jusqu'à ce que ça dit que nous arrive devant la porte de Jannah, ou bien il arrive devant la porte. Mais tout ça ne peut pas trouver de nous futur. C'est ça que ce hadith-là peut expliquer nous. Là. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour ça qu'il nous dit bien, premier, parmi ces quatre piliers, qu'il nous besoin apprendre là, c'est quoi? C'est qu'il nous besoin d'accord qu'Allah connaît nous futur. Le fait qu'il m'en connaît, alhamdoulilah, mon sire. Sa connaissance qui est là, il connaît rêve. Mais si il connaît rêve, il connaît mon autre semaine, mon autre mois, mon autre année, comme pour moi, quand ça me pour enterrer, jour qu'yama, parce qu'il finit faire la source, sallallahu alayhi wa sallam, connaît qui Moussa alayhi wa sallam pour avant lui. Ensuite, est-ce qu'il peut connaître ma direction qui me pour prendre vers Jannat ou bien l'enfer, sans aucun doute, chef frère, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Parce qu'il est fait qu'il connaît nos futurs, être sûr qu'il connaît tout ça là. Donc, c'est ça l'explication de ce hadith. Une cause concernant connaissance Allah, pas une cause concernant nous, insan qui nous besoin faire. Pas dire nous arrête de faire bonne action, pas dire nous faire, pas dire nous mais si Allah connaît, mais finiment arrête de faire action alors. Ça qui dit ça. Pas dire pas une cause du tout concernant action là. Une cause concernant connaissance Allah.
être sûr, le fait qu'Allah qu'on nous fait chers frères et sœurs, il qu'on tout, chacun parmi nous nous fait chers dans la moindre détail. Deuxième question, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est Al-Kitab. Premier pilier, c'était quoi? Connaissance Allah. Qui nous connaît, alhamdoulilah, concernant connaissance Allah, le passé, le présent, le futur. Quatrième, là, c'est une question en plus. Si une question pas t'est arrivée, s'il t'est arrivé, que tu peux arriver. Deuxième pilier, c'est Al-Kitab. Premier pilier, là, ou prends-le, ou elle médite le oulastir. Parce qu'il m'a pour besoin de pour me construire, troisième semaine. Pour Azodi, pour nous terminer, chers frères et sœurs, nous commençons avec deuxième pilier. Al-Kitab. Guette le mot avant. Kitab. Kitab veut dire livre. Kitaba veut dire l'écriture. Kataba veut dire écrire. Si nous prenons les façon plus simple, Al-Kitaba veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin fait écrire. Hadith, Inch'Allah, le chemin pour avec nous. Li fin fait écrire. Au fait, il fin adresse avec une plume. Qui li fin fait écrire? Basant le sous connaissance. Ça vous plaît pourtant, oui, non? D'accord, là, c'est Alhamdoulilah. Parce que ce premier pilier qui nous apprend, c'est quoi? Connaissance Allah, oui, non? Et dit qu'on le futur, oui, non? Mais basant le sous connaissance, l'India sa plume là, écrire, décrit tout quelque chose jusqu'à jour qu'il c'est ça le kitab. Prends-le bien, chers frères et sœurs. Quand nous peut dire Al-Kitaba, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala fin fait écrire. Il s'en a fait une plume. Une cause avec une plume. Ça a dit ça avec nous l'autre semaine, Inch'Allah. Basant le qui était? Le sous connaissance. Mais connaissance Allah, Alhamdulillah, nous fait pour lui, oui non. Allah connaît le futur, oui non. Nous qui l'est à se dire. Quand nous peut dire le début de la création, Allah connaît le futur jusqu'à jour Qiyama, oui non. Mais basant le sa connaissance là. Allah subhanahu wa ta'ala fin dit sa plume là, écrire tout quelque chose de décret jusqu'à jour qu'il la grande question qui posait, qu'est-ce que écrit ça? Parce qu'en premier, je suis d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait écrire ça, basant le qui était? Le sous connaissance. Qui nous veut redire pour sous connaissance? Le passé, le présent ou bien le futur? Et Allah, connaissance future, il y a un livre à 100%, oui non? Donc, il n'est pas faire une plume écrite de soi qui peut arriver, oui non? Il n'est pas faire ça. Quand ça finit écrit, les chers frères et sœurs, dans une place qui appelle Lawhil Mahfouz. Là, comment nous dire, on dirait, vous pouvez commencer, pour Allah, nous pouvons se coster, oui non? Parce qu'il y a une cause destin, quand dit y a destin, quand il y a la fils destin, il dit quoi? Direct, Lawhil Mahfouz, Qadar. Il va venir comme ça. Et il y a beaucoup d'implications qui viennent. Lawhil Mahfouz, c'est oui, un des mots-clés qui nous peut attendre dans un sujet pareil. Mais seulement, je ne peux pas prendre Lawhil Mahfouz, sans qu'il me connaisse au fait c'est quoi. Première chose qui m'a besoin de connaître Lawhil Mahfouz, je suis un frère seul, il dit devant moi. Si demain, pose-moi une question, c'est quoi Lawhil Mahfouz, au moins, jusqu'à l'air, ça qui m'a capable de répondre, Alhamdulillah, pour la connaissance qu'Allah vient de faire nous connaître, c'est quoi? C'est une place. Qui Allah fin fait une plume écrire. L'eau décrit tout quelque chose, basant l'eau connaissance. C'est ça Lawhil Mahfouz. C'est ça Lawhil Mahfouz. Ça, c'est la première connaissance qui Allah subhanahu wa ta'ala fin permet nous pour gagner concernant sa livre-là. Chers frères et sœurs, nous disons bien, là, nous peut arriver la ligne droite pour nous terminer pour sa semaine-là. Lawhil Mahfouz en arabe. Regarde comment nous écrire. Parce que dans le Coran, par exemple, dans Surah Buruj, ou gagné dans des ayats, dernier mot qui vient. Bal huwa Quran al-Majid, fi Lawhil Mahfouz. Get moula là. Première chose qui me prend, c'est Allah. Allah veut dire une boat. Une boat. Allah veut dire une plaque. Dans le langage arabe, Lawh, lam, waw, he, il veut dire une boat. Al-Mahfouz. Gide bien. He, se, ze. Hafaza. Hafaza veut dire mémoriser. Hafaza veut dire préserver. Al-Mahfouz veut dire préserver quelque chose. Hifz. Qui fait nous dire ça? Un hafiz. Parce qu'il n'y a pas la colline mémorise le Coran. La colline
La qu'on préserve pour un qui nous jali, un hafiz. Hafadha, oui, nous pouvons dire ça, un hafiz. Mais comment nous dire, qui veut dire un hafiz? Ben, il mémorise le Coran. Il ne pas mémorise le Coran. L'in préserve le Coran. Il y a une différence? Oui, cher frère, il y a une différence. Parce qu'il y a une protection qui Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir pour lui protéger. C'est le Coran. Sa Coran là, il fin préserve ça, ça dit moun là, de ce qui est de ce la tête. C'est pour ça qu'il fin gagne ça, sa titre là, sa nom là, quand nous bédiali en hafiz. Al-mahfouz veut dire c'est une place qu'on fin être préservé. Quand nous joignons les deux ensemble, l'orhil mahfouz veut dire c'est un bout qui préserve une petite chose. Ça qu'appelle l'orhil mahfouz. L'orhil mahfouz, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est un bout. Comment il était, nous ne vous connaître parce qu'il est dans 7e ciel. C'est ça qui va avec nous l'autre semaine, Inch'Allah. Mais, quand nous pouvons prendre l'orhil mahfouz, veut dire que c'est un bout qui finit protégé. Pas les autres peuvent protéger, mais lui, il finit protégé. Mais qui nous protéger comme ça? Mais nous ne pouvons pas faire que Dieu est là, Alhamdulillah, l'orhil mahfouz, c'est ça qui Allah subhanahu wa ta'ala finit donne l'autre pour écrire, décrire tout créature jusqu'à jour Qiyama, basant le saut. Connaissance. Quand ça finit écrire tout ça là, dans l'orhil mahfouz, mais ça l'orhil mahfouz là, il peut préserver tout ça là, oui non. Il peut préserver tout ça là, cher frère. C'est ça l'orhil mahfouz. Donc, quand on dit moi l'orhil mahfouz, pour un moment, oublier, ben, une fausse interprétation. Non, essayez de prendre ça qui dit, il fait nous connaître. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça qui dit, il fait nous connaître, c'est l'or veut dire un tableau, mahfouz veut dire l'in préserver. Qui l'in préserver? L'in préserve ça l'écriture, ça qui finit être écrit. Basant leur connaissance, Allah prend depuis avant la création jusqu'à jour Qiyama. Il finit d'écrire tout ça là. Quand ça y était ça, dans l'orhil mahfouz. L'orhil mahfouz là, qu'est-ce qu'il y a quelque chose ça? Oui, c'est un loso nous-mêmes nous avons fini gagner. Mahfouz veut dire d'une préserver tout ça qui finit être écrit. Chers frères et sœurs, à la fin, pour lui, il y a quelque chose qui nous besoin connaît, c'est quand nous peut dire l'orhil mahfouz. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala pas appelé pour l'orhil mahfouz. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala fin appelé l'imam al-mubin. Dans le surah Yassin, ayat numéro 12, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna nahnu nuhil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. » Et tout, wa kulla shay'in, tout quelque chose, ahsaynahu, nous fin godly. Haswa veut dire compter, in godly, préserve-li bien. Côte ça, fi imam mubin. Imam, mubin veut dire clair. Imam, c'est pas ça, imam, là, ni pas cause là. Imam, c'est quoi? C'est ça qui vient devant là. En qui vient devant, à la tête de tout. Chers frères et sœurs, nous disons bien, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin appelé pour imam ici? Le premier qui fin gagne à l'écriture là, avant même amène nous, avant même amène ban prophète, avant même amène la création, la terre et les ciels, avant même, qui vient avant? L'orhil mahfouz. L'orhil mahfouz. Les mêmes premiers, oui non? Premier comparé à nous là, Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps ici là. Comparé à nous, Insan, comparé à nous, les ciels, comparé à nous, la terre, tout ça, bonne créature qui nous peut trouver là, qui s'en a-t-il déjà devant nous? C'est pas l'orhil mahfouz? C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin appelé pas? Imam bin Mubin. Et comme ça même, nous trouvons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fin appelé pas? Al-Kitab. Qala fa ma ba'lil quruni l'oula. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin. La yadillu rabbi wala yansa. Ça c'est Pharaon qui dit ça. Fama balil quruni l'oula. Beban première génération là, au Moussa. Qui n'arrive de ça? Moussa alayhi salam dit Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Ça qui te peut dire là? Au fait, il auprès de mon rob. Rinda. Rinda veut dire auprès. Rinda rabbi fi kitab. Dans un livre. Dans un résist. La yadullu rabbi wa la yansa. Mon rob zami. Pour faire errer et examiner l'oublier. Mais ça qui est avec nous, c'est quoi, chers frères et sœurs? Livre là à côté là. Nous pouvons s'approcher un peu au livre là. Livre là, alhamdulillah, nous connaissons qui fait ce titre là. Alhamdulillah, nous connaissons qui les contenir.
بكوت سايتي عند عند ربي Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, sa livre qui appelle l'Ohi al-Mahfouza, il finit appelé l'Ipah, Kitab. Il finit appelé l'Ipah, Kitab. Et dernier chef frère, c'est de surah Hajj, ayat 70, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Alam ta'alam anna Allah ya'alamu ma fi samai wal ard, inna thalika fi kitab. » Est-ce qu'il ne te pas connu qu'Allah connaît tout ça qui est là devant l'échelle de la terre? Tu ne te pas connu qu'Allah connaît tout ça qui peut passer devant l'échelle de la terre? Certainement, inna dhalika, mais tout ça qui peut passer là, quand il a déjà été ça, il est déjà de sa livre là. Il est déjà de sa livre là, oui non? Chef, se prend les bien. Quand tu étais, quand tu es assisé à Zodi là, quand tu es assisé à Zodi là, si pas quand tu as une caméra, si pas ce, on te persise là-bas après quoi de la pote. À ce qui te trouve, toi, tu as sa place là, toi. Mais seulement dans sa livre là, tu finis écrire ça, oui non? Ça qui peut faire nous comprendre. Mais ça qui te peut faire à ce là, il n'a pas les cafés qui t'a, mais c'est déjà dans le livre ça. Tu peux permettre maintenant de nouveau là toi. Mais seulement, cher frère et soeur, nous disons bien, comme nous finissons répéter la semaine passée, et Alhamdulillah, ça nous fait dialy au commencement, et nous paierons dialy à la fin. Alhamdulillah, nous finissons prendre des sessions. Nous finissons apprendre un petit chose. Alhamdulillah. Mais seulement, pas le plus que ça qui nous apprend. Pas al plus ça qui nous fait apprendre qui fait parce qu'il y suffit quand nous guetter qui motivé cause destin moi parce qu'on est mis dans quatre piliers astier dans mon quatre piliers là là dans mon apprentissage concernant un ennemi pourquoi apprendre déjà là foule là mais comment se fait-il mon apprentissage un ennemi moi parce qu'on des derniers là moi voir cause de ça sujet là bon vous êtes content reste tranquille oui non bon vous êtes content reste tranquille. Ça, c'est le dernier point qui est avec nous pour aujourd'hui, chers frères et sœurs. C'est quoi? Concernant l'Ohr et le Mahfouz. Et c'est de la même qu'Inch'Allah, l'autre semaine, nous pouvons commencer. C'est quoi? C'est le deuxième pilier. L'Ohr et le Mahfouz, N, nous préprend nos explications concernant ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait écrire là-dedans. Hadith qui pouvait venir avec nous. Ensuite, nous pouvons continuer. Pour nous guider, ben non, qui finit venir. Ensuite, nous pouvons continuer. Côte ça situé, qui est là-dedans? Et nous pouvons venir avec le troisième pilier du destin. Al-Mashi'a, ça qui Allah voulait, et quatrième, nous pouvons avec création, veut dire apporte Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça qui restait, c'est la création, et ensuite nous terminons nos premiers parties concernant nos connaissances du destin, de nous la tête comme ça, connaissance du destin. Premier, c'est nous avons une vraie croyance, là, veut dire en connaissance, ce preuve, ce signification, ce ban pilier, et comment nous amener l'iman là-dedans. Deuxième, c'est ban doute ou bien ban question qui vient. Ensuite, troisième, c'est ban erreur qui vous vient. Ça demande la semaine qui suit, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmarin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.